J'hésite entre Inge ou Tess. Mais là, on est dans les 4 plus mauvais du jeu. Hein. C'est magnifique. Hein. D'avoir les 4 horribles comme ça. Il n'y en a même pas un moyen. C'est que de l'ultra... Il n'y a même pas un trash dans ces 4-là. C'est de l'ultra trash. C'est sublime. C'est l'heure de monter en selle. Il n'y a pas un play où on veut faire un peu plus de tempo avec ça, ça et ça. Peut-être. Hein. Voon, c'est pas mauvais, faut pas abuser. Voon, c'est injouable. Absolument injouable. Pas de bagarre dans le saloon. Allez régler ça dehors. Pour moi, en tout cas. Après, chacun va avoir sa théorie et on va dire sa tier list des personnages. Ah, il y a lui. Peut-être un peu tard, mais je pense pas. Comme ça, on gèle lui. Cette recrue pourra au moins faire diversion. Ok. Tu dis ça parce que tu es énervé. La dernière fois que j'étais énervé, c'était il y a peut-être 9 ou 10 ans. Je m'énerve en général une fois tous les 10 ans. Bah ben remarque, c'est peut-être cette fois-ci. Peut-être là, je suis très énervé en fait. Vu que je m'énerve rarement, je sais pas trop c'est quoi comme, comme sentiment, comment je peux être. Mais peut-être que là, je suis extrêmement énervé. Non, je suis au top de mon énervement là. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Je pense qu'on équilibre un peu. Cette recrue pourra au moins faire diversion. Soyez pas vulgaire dans le chat, enfin. Varden, ok. Compliqué. Sacré bon filon, ne lâchez pas. Tu sors pas mal. On a le triple. La question c'est, veut-on le tripler maintenant? Ça me dérange pas, je crois. Ah, il a up. Et il a peut-être pas de mecha. En fait, il a up parce qu'il a pas de mecha. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être un monde où on peut faire le gagnant. Taunt. Si up sans mecha, c'est qu'il a pas beaucoup de tempo. Voyez ? Ah ouais, mais moi je suis delay, je suis retard, je suis obligé de garder la pièce, je suis bête. Prochain tour, je vais toujours faire up et triple. Donc je crois que je tente le gagnant. Je peux pas pièce ça. Je peux pas... Ouais. Je peux pas pièce... parce que j'ai besoin de la pièce pour faire le up. Donc je suis obligé de partir sur ce pattern. Et puis voilà. Vienne que pourra. Ok. Il a quoi lui? Rien de spécial. Hein. Hop là. Donc là c'est ça. On trip maintenant. Bon, il y a des trucs qui nous intéressent. D'autres moins.
Dompteuse, c'est rigolo avec la banane. Je crois qu'on va prendre la dompteuse. Drone, ça ne fonctionne pas ici. Trigor, ça ne fonctionne pas ici. Je vends ça. Comme ça, je fais un énorme taunt. Pour protéger ce jeune homme. Ouais, faut bourriner la tempo. Après, là, on n'a pas forcément plus de tempo que les autres, hein, en soi. Surtout qu'on a pris voyage gagnant. Donc. Êtes en bonne voie. Ouais, faut taper à droite, ce serait super. Ah non, ça, ça va. Ah zut, vilain. Bon, au moins, nous gagnons le combat. Il y a quoi à voler chez ce gars ? Rien. Ouais, il y a une phalange dans l'absolu. C'est pas la pire carte du jeu. Eh bien, ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Azeroth, non ? Glorification, c'est un peu bizarre parce que. En vrai, ça peut être pas mal avec le pouvoir de dorer un truc directement, mais est-ce qu'il y a vraiment des cartes clés à dorer, quoi? Je sais pas. Peut-être c'est ça, vu qu'on a déjà un pouvoir qui récupère des cartes. C'est peut-être un peu grid, mais j'ai un play en tête. En ce jeune homme-là. Je récupère la phalange, que je réincarne. Ça apporte de la tempo. Ok. Lui, il est là, il est en mode... moi, en fait, je suis vraiment la pire carte du jeu. Bien sûr que t'es la pire carte du jeu, mon con. Heureusement que t'es la pire carte du jeu quand même. Qu'est-ce qu'il a lui ? Oh waouh, il va survivre. Incroyable ! La tête n'est pas bien dans cette situation. J'ai considéré que ma tempo, elle pouvait être correcte. Ça fait ta ratée de partout à la fin. C'est pour ça que j'ai pris ça. Mais c'est qu'une histoire de range et de perception de range. Lui, il a quoi? Il a de la merde, lui. Hein. Ah. Ah. Non, mais non. Veilleur d'ambre. Dompteuse. Porte-drapeau, c'est bien. Non, mais non, j'ai pas le roi. Je peux prendre un deuxième veilleur? Non, autant prendre le boubou. De toute façon, l'idée, c'est de tenir. Je fais ça. Voilà qui devient intéressant. Je récupère la 9-3. Qui vire? Le naga? Lui, il joue quoi? Il joue des dragons. Ouais, il y a peut-être des choses sympas en dragon chez ce jeune homme. Merci, oui, Magathez. Merci pour le Prime. C'est rigolo comme pseudo. Merci beaucoup. Merci de ton aide. Bon après-midi à toi.
Ça arrive dans combien d'années ça? Soon. Soon un zap. Hey, ça, ça me plaît les boards comme ça. Où je peux bien me nourrir. Tout en gagnant le combat. Bon, bien me nourrir l'homme T quoi. Bon, Bran est bien. L'homme T, j'adore, mais. En vrai, l'homme T, ça s'achète quand même. Hein. Je sais pas. Homme T. Cleave. Ben ouais, ça pétarade de fou. Ok. Ville de lumière. Qu'ont-ils fait de moi? C'est pas facile de jouer l'homme T. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ce serviteur, c'est un habitué. Watch out. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Les secrets que nous avons encore à découvrir. Ce serviteur, c'est un habitué. Je finis par lui, comme ça le veilleur il proc pas sur ce gars-là. Désolé hein, l'homme T, hein. J'adore le T. Les cornes, il a des cornes. C'est la corne qui lui donne la vie. Arrache-lui la corne. Magnifique, hein. Conan le barbare. 82. Ok. Ok. J'adore le thé, j'adore les hommes, mais les dents tombent. Non. Mon film d'enfance. Ah, magnifique hein, ce film. Un de mes films préférés. Bon. Avec la musique de... Je sais plus qui fait la musique. Magnifique cette musique. Oh, il gagne. Il a quoi lui d'ailleurs? Que dalle. Avec le sorcier dans le miroir. Ça c'est Conan le destructeur. C'est le deuxième. Avec le sorcier dans le miroir. Bran. On a déjà un Bran en fait. Bran doré. De l'argent. Avec Bran doré, l'argent c'est bien. Ça c'est gratuit et ça booste ça. Cette recrue ci vous sera très utile, vous verrez. DJ, DJ. Ça c'est bien, ça prend un nuyau. Tu veux une cacahuète, Sinoc? Ce serviteur, c'est un habitué. Destruction! Merde, j'ai mis... Mamie! Merde, mais j'ai mis...
J'ai pas mis clic, j'ai mis cerveau. Mon cerveau, il a... Il s'est bloqué. Il faut pas se bloquer comme ça. En fait, c'est la carte, elle a glissé. Et mon cerveau, il a glissé aussi. Ça a fait... Ça a glissé en même temps. Glissez pas en même temps, sérieux. Ça va, mais... Non, mais ça s'est trop glissé en même temps. Bah ouais. Ouais, mais ça se fait pas de faire ça. Tu prends 15, toi, Georges Opec. Non mais sérieux. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noix de sitôt. Amalgame, c'est strong. Lui, il avait des gains. Ah, ça c'est pas mal. Fazelli. Bah Fazelli c'est pas mal. Mais... C'est pas dur à booster quand même. Ça c'est gros mais est-ce qu'on arrivera à le booster? Non il n'y a pas les morts vivants. Ah, Fazelli c'est quand même assez exceptionnel. On est d'accord, lui il ne m'apporte rien. Putain, lui il m'apporte vraiment rien du tout en fait. Je peux faire ça et ça. Comme ça je booste la Fazelli. C'est quand même une carte exceptionnelle. Mon tour 10 il est pas nul. Ah il est pas là lui. Prochain tour je up. J'ai glissé chef. Je nage bien chef. Je vous fais des sacrés rêves quand même. Hein. Si vous êtes un peu vieux comme moi, vous êtes. Normalement vous êtes quand même. Vous êtes servi en ref. Hein. J'ai bien chef. Ok ok. Prochain tour je up, il me faut Kalegos, Amalgame. Très bien. Ils ne viendront plus vous. Merde, il avait quoi, j'ai pas regardé. Ça, ça me plaît. Tu veux une cacahuète, Finoc ? Mais je crois qu'en vrai, c'est ça qui dégage. Hein. Ou alors, on vire la Fazelli. Non, mais je crois qu'en vrai, lui, je le dégage. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai essayé de lui donner une chance, mais en fait, j'ai juste pas envie. Ah. Pour regarder ce que les autres ont. Mecha, Mecha. Non, mais c'est Mechaman, quoi. Non, mais vous êtes Mechaman. Je suis obligé de changer de pouvoir. Oh. Ah, c'est pas mal, ça. C'est un peu cher, mais c'est cool, non? Paf. Heureusement qu'elle est de notre côté. Oula, c'est vrai. Argent, argent. Rends l'argent. Hein. Ça là-dessus. Rends l'argent. Hein. Bah, la Fazelli, j'ai envie de la garder, mais j'ai l'impression qu'elle s'intègre jamais dans la compo amalgame parce que c'est difficile d'acheter des 6. Encore les 5, tu les achètes.
Mais après, c'est quand même une carte cool, mais je sais pas. Je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, je sais pas. Ah, d'accord. L'armure en réserve. C'est étrange, hein? Ça ressemble pas vraiment à une armure, mais bon. Bon. Ça manque un peu de panache. J'aime bien mon board, mais ça manque un peu de panache. Là, on va adorer quoi? Bah, amalgame en fait. Ouais, la Tétis. En fait, la Tétis c'était très cool, mais fallait enlever Phazel. Je me sentais pas d'enlever Phazel. Juste pour gagner une ou deux cartes par tour. Enfin, deux cartes par tour. Bon, on est devant. Enfin, on est devant. Pas vraiment devant, mais vous voyez l'idée quoi. Mais pas derrière quoi. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est bien, ça booste la Fazeli. Allez, tape à droite. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, ça dégage. Sur le terrain. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Monde en défend. Diversion. Votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Une action qui rapporte. L'or est à vous. N'allez pas le dépenser en une seule. Ça marche bien. Fazeli! Bah ouais, je l'ai mis en lumière ici, indéniablement. Fizz la Fazeli et manger un autre dragon, non? Ouais, j'aurais pu. Je me dis si j'ai un autre Kalegos, après j'ai pas beaucoup de place. Je sais pas. Mais je peux bien sûr. Et je crois que j'aime bien ton idée. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Ouais, c'est dégueu ça. Bon, on va taunter les loulous pour faire que seule la Fazel a le taunt. Enfin, elle n'a pas le taunt. Vous voyez l'idée? Notre tour 13, il est fat, hein. Enfin, on a vraiment un setup de dingo, hein. C'est une impasse.
Bon, ça manque un peu de cri de guerre, mais il en faut peu pour voilà, pour être heureux. Hein. Ah, Furie des vents, c'est pas mal. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Il n'y a pas un play à la con où on casse quelques boubous divins à la con? Comme ça? C'est vrai que je suis sous Milouz, j'ai même pas fait gaffe, mais ça change rien. Vous voyez? Genre si j'attaque comme ça? Ah dommage, il y avait de l'idée. Bon après je le débaroule, hein, non? Il aurait pu être super vraiment game breaker ce garçon. Bon ça c'est un bon hit pour nous. La furie divin elle est importante. Voilà, elle permet d'aller chercher ce jeune homme. Il est bloqué, on tape là. Et on le met à 2. Ok. Notre scanning est supérieur au sien. Dragon, c'est tout aussi mauvais que pirate, sauf que toutes mes cartes sont dorées. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. C'est une impasse. Il est parti, mais c'est pas grave, je reste focus. Putain, le bug à ce moment-là, les gars. Ah ouais, donc toi tu veux pas. Pas grave, pas grave, pas grave, je veux pas te jouer, t'inquiète pas. Et faut pas s'énerver, hein. Tu veux pas, hein, c'est comme ça, hein. On réessaye ? Ok. J'ai pas envie de les tripler. Ah super, ça je le mets en protection de cleave. Vous voyez, lui il protège le cleave. Ouais, c'est intéressant là, ce placement de l'Elisa par rapport à lui. Pour pas que la phase elle soit touchée. C'est important d'aller jusqu'au bout de la game, même si le gars était parti. Comme ça, ça permet de travailler quand lui va vraiment rester sur le board et assurer le 100%. C'est la finale, elle nous permet aussi de travailler son gameplay dans une finale. Et la finale, c'est un gameplay qui est totalement différent des étapes précédentes. Bon, bah écoutez, top 1 en dragon. Première fois de la méta. C'est magnifique, hein. Bon, là, on avait vraiment tout. Ça reste une des plus faibles compos du jeu, dragon. Mais quand on a tout, c'est quand même assez beau.